Young shit. Dis-moi, Hervé, tu savais que Cristiano se casse de Manchester? United, ils ont plus de profits. Manchester United, ça y est. En Angleterre, ça fait la une des journaux, là. Ils vendent bien leurs journaux, les Anglais. Oh, ça y est, Ronaldo s'en va. De tranquillité, ok, Ronaldo. Laissez le tranquille pêcher, non? Oui, je regarde, avant qu'à la pêche, j'espère que vous avez la pêche. Parce que là, on va parler, là. On va parler de la pêche, Cristiano. Manchester United. Là, ils vont pas sortir les confettis, là. Ils vont plus avoir les confettis, là. Oh, déjà, je l'ai fait, cette vidéo, là, de l'affaire Ronaldo. Mais j'ai vu qu'ils voulaient vendre le club, là, la famille Roseur. C'est un peu... Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est Roseur, quoi. Donc, c'est un peu passif, là. Je sais pas. C'est un peu passif, là, mon criol. Donc, voilà. On se voyait tous, Cristiano Ronaldo. L'an dernier, face à Lise. Face à... Manchester United, Lise, il avait cassé un téléphone, un supporter de Manchester United. Du coup, la famille de ce supporter a porté plainte et il a infligé une amende de 50 millions d'euros. C'est quoi ça? Pour quand tu t'appelles Cristiano, sérieux? Franchement, je peux me gratter l'oreille avec qui? Non, mais... Donc, je comprends un petit peu en colère. Je comprends pas du tout pourquoi la famille Roseur a fait sa conférence de presse veut partir. Donc, on me slip. Voilà. En sachant que il a refusé une offre de départ à 5 millions d'euros, je crois, Cristiano. Donc, je comprends pas. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, comme je l'ai dit, il faudrait que Cristiano fasse une très très bonne Coupe du Monde pour revendre son blason, pour que son mieux côté, et que il fasse fermer des camemberts, et voilà, je pense que il n'y a que la performance sportive qui parle, performance sportive qu'il faut qu'il réponde, il n'y a que comme ça qu'il va s'en sortir, et voilà. Alors, wesh les gars, avant d'un appel, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner une petite question. Tu vas lui répondre en commentaire et tu m'enverras un petit stream sur l'Instagram. Bien sûr, pour participer, pour être abonné. En quelle année Cristiano est arrivé au Real Madrid? 1, 2009, 2, 2014, 3, 2010. À toi de jouer. Mais bon, là, on sait... Et donc, je te laisse jouer au petit jeu, là, à répondre en commentaire à la question. C'est pas question pour les champions, là, c'est question Ronaldo. Oh, il part de Manchester United, c'est pire que s'il avait quitté le Real. Donc voilà. Les amis.
Wesh les gars, alors dans la pêche, j'espère que vous allez bien. Voilà, je l'ai déjà dit, il faut que Ronaldo fasse une bonne Coupe du Monde, qu'il renoir son blason, il n'y a que par les performances sportives qu'il va faire parmi les camemberts. Et voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il faudrait qu'il aille vers le Sporting et qu'il investisse dans le Sporting et qu'il devienne propriétaire du Sporting, parce que Ronaldo est attaché au Sporting. Il est attaché à ce club-là. Donc voilà. Si toi aussi t'aimes le Barça, t'aimes l'USA, je ne te dis rien de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde. T'es sur la bonne chaîne. En sachant qu'on parle du tout, on parle des grosses actualités sportives comme c'est le cas sur l'affaire Ronaldo. Mais je parle aussi de l'actualité de l'USAF, parce que l'USAF c'est la vie. Et je fais les débriefs de l'USAF. Je parle de l'actualité du Barça. Et je fais les débriefs du Barça. Et bien sûr que je fais des journaux Coupe du Monde. Voilà. Donc, wesh les gars, avant de la pêche, c'était l'affaire Ronaldo. J'espère que vous avez la pêche. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour vous lâcher un commentaire et pour vous abonner. Voilà. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. On se retrouvera dans une prochaine vidéo.